Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, on va regarder ensemble, pour commencer, un message du Good Quantique pour vous les cancers. Donc je rappelle que c'est une guidance très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les informations dans la barre de description de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer pour ce mois de novembre. Et vous avez chaque grande destinée a commencé par un pourquoi pas. C'est concrétisé par un je peux essayer et a été couronné par un je ne lâcherai pas. Quelle que soit la phase dans laquelle vous vous trouvez, ne visez pas la réussite, simplement l'étape suivante. Le succès est au bout du chemin. Ok. Alors, ce message-là vous invite plutôt à être dans l'accueil plutôt que dans l'attente. Dans le sens où, lorsqu'on commence, par exemple, lorsqu'on se lance dans un nouveau projet, par exemple, un nouveau projet professionnel, quelque chose de créatif, admettons. Là, on va avoir tendance à se dire « Ouais, mais moi, j'ai envie de réussir, j'ai envie que ça marche, j'ai envie que d'avoir, je sais pas, un salaire comme ça, d'être reconnu ou d'être... » Et au final, on se concentre sur, un objectif, mais qui est loin, puisqu'on n'a pas encore démarré, et finalement, on peut se décourager parce que les choses n'avancent pas aussi vite ou parce qu'on n'a pas ce que l'on a en tête tout de suite. Là, on vous invite à faire les choses petit à petit, au fur et à mesure. Peut-être même un peu au jour le jour, mais je dirais étape par étape. On ne peut pas tout de suite se lancer dans un projet et avoir tout de suite tout. Ça prend du temps. Alors oui, chez certaines personnes, ça ira plus vite que pour d'autres, pour tout un tas de raisons. Mais en tout cas, on vous invite à faire les choses au fur et à mesure et à surtout pas mettre des objectifs peut-être un peu trop hauts. Tout de suite, vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'est ça. On vous invite surtout à ne pas vous décourager par rapport aussi au, finalement, à la montagne de choses que vous auriez à faire par rapport à un nouveau projet. Ça aussi, il faut y aller étape par étape, au fur et à mesure, parce que si on commence à regarder finalement tout ce qu'il y a à faire, ça pourrait nous décourager. Mais vaut mieux se dire, ah bah tiens, aujourd'hui, je pourrais déjà faire ça et ça. Vous voyez? Et puis demain, je ferai ça et ça. Et puis vous voyez, petit à petit, les choses avancent. Voilà. Et on se fait pas trop, on se met pas trop de pression, si vous voulez, pour pouvoir s'engager dans quelque chose, ou en tout cas commencer un projet. J'ai l'impression que vous êtes au début de quelque chose, et ça vous paraît un peu... vous allez vous dire, oh là là, mais... ouais, alors là, il faut que je fasse 2 ans de formation, et puis là, il faut que je... Ah oui, c'est sûr que si on voit les choses comme ça, ça fait peur. Mais si déjà vous dites, bon bah... je vais déjà m'inscrire à la formation et puis on verra bien. Je vais me préparer déjà pour le concours, tac tac, et puis hop, on verra bien. Sans non plus se mettre trop de pression et sans non plus se dire moi je veux aller là absolument. Non. Dites-vous que ok, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, c'est que c'était peut-être pas pour vous et qu'il y a autre chose à côté. Vous voyez? Il faut toujours garder l'esprit très ouvert et pas forcément prendre les choses trop à cœur en se disant mais moi c'est ça que je veux faire et vous voyez, il y a peut-être plusieurs moyens d'y arriver. Alors, parce que la vie c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on a un objectif en tête mais parfois on passe par des drôles de chemins pour pouvoir y arriver, hein. c'était pas le chemin initial, hein. Jamais d'ailleurs, c'est jamais le cas. Allez, on va regarder ici un message pour vous avec l'oracle Tattoo Therapy. Donc pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer pour ce mois de novembre. Vous avez la carte de la concentration. Ah, intéressant. Donc la concentration, revenir sur soi et organisation. La concentration, c'est intéressant parce que justement, elle vous permet effectivement de rester concentré sur ce que vous pouvez faire ici et maintenant et pas vous projeter trop dans l'avenir parce que ça va vous paraître une montagne, ça va vous paraître décourageant. C'est pour ça qu'on vous invite ici à faire les choses au fur et à mesure et à rester centré finalement sur les choses que vous pouvez faire maintenant. Vous voyez ? Donc ça demande de l'organisation, ça demande aussi évidemment de rester centré sur vous, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez vraiment aussi, hein.
Alors attention, parce que j'ai l'impression ici, vous voyez en deck, vous avez la carte de la colère. Quelque chose qui pourrait, peut-être une injustice ou le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne marche pas comme vous voulez. Et là, on vous invite à lâcher prise par rapport à cette colère-là. Surtout, ne vous laissez pas déconcentrer par rapport à ça, parce que si ça ne fonctionne pas par ce chemin-là, peut-être que ça peut fonctionner par un autre chemin. Vous voyez, faut toujours garder l'esprit ouvert. Je ressens vraiment que pour vous, c'est ça, hein. Il ne faut pas rester, faut pas s'imaginer que les choses, si ça ne fonctionne pas d'un côté, ça peut fonctionner par rapport à un autre. Mais voilà, prenez un peu de recul. Ne soyez pas à vouloir forcer les choses absolument ou à vouloir rentrer dans une bataille qui ne serait peut-être pas la vôtre. Ou en tout cas qui serait inutile. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Donc restez concentrés, hein, par rapport à un projet, à quelque chose que vous voulez démarrer, hein. Ouais, il y a un conflit. D'accord. Donc là, le conflit ressort. Il y a bien quelque chose ici qui pourrait vous mettre en colère, qui pourrait bloquer les énergies et finalement vous détourner de ce que, de ce que vous voulez mettre en place. Le challenge pour vous ce mois-ci, c'est ça, hein, c'est vraiment de rester centré sur vos objectifs. Ah. La persévérance sera mise à l'épreuve pour vous. Alors, rester concentré, c'est aussi le fait de ne pas abandonner. Aussi. Mais là, il y a un conflit ici qui va être intéressant à voir. Qu'est-ce qui génère d'ailleurs chez vous de la colère, hein, par rapport à ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que c'est un rapport, une personne qui cherche à vous nuire? Est-ce que c'est plutôt une situation qui ne se déroule pas comme vous l'auriez voulu et du coup ça génère de la frustration chez vous et ça génère un conflit aussi? Un sentiment d'injustice, peut-être que c'est ça aussi. Bref. Peu importe ce que c'est, mais en tout cas, j'ai l'impression ici qu'on vous invite à surtout ne pas alimenter ce conflit-là. À vous repositionner, à vous recentrer sur vous et vos objectifs et à essayer de voir s'il n'y a pas d'autres chemins, d'autres possibilités. Mais surtout, n'abandonnez pas. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Avec le Féerie Lenormand pour vous, les cancers, ascendant cancer et lune en cancer pour ce mois de novembre pour les cancers. Alors, il y a une situation qui prend fin. Hein. Ici, avec le Lenormand, vous avez la carte du cercueil qui marque la fin d'un cycle ou quelque chose qui se transforme, qui change. Pour moi, il y a quelque chose. Il y a un projet ici qui génère la fin d'un. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tombe à l'eau, quelque chose qui ne marche pas comme vous le voulez. Et là, on vous dit ici, oui, mais hé. Ok, ça marche pas de cette façon-là, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de voir les choses? Est-ce que, voilà, il n'y aurait pas l'idée ici de vouloir transformer une situation, en tout cas qui n'est plus vivable? On voit bien que ce conflit-là, ça peut être entre vous et une autre personne, mais ça peut être aussi par rapport à un projet, ça ne marche pas. Donc là, il serait peut-être temps effectivement de revoir certaines choses. Oui. On vous parle d'une énergie féminine. Alors, peut-être que pour vous, il s'agit d'une femme avec qui il y a des conflits, avec qui il y a, voilà, ça peut être une femme de la famille, une sœur, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un, votre conjointe peut-être, ou alors une maman, une fille, peu importe. En tout cas, il y a une énergie féminine autour de vous avec qui ça peut être très compliqué. Ça peut marquer la fin de quelque chose aussi. Mais là, on vous invite surtout à rester centré sur ce que vous voulez vraiment. Alors, s'il s'agit d'une relation et que vous voulez peut-être arranger les choses, réussir à justement à vous réconcilier peut-être avec quelqu'un, bah, il va falloir vraiment travailler sur la relation, sur votre capacité à prendre du recul, sur ne pas nourrir un conflit ou un sentiment de colère qui pourrait effectivement mettre fin à cette relation. Moi, j'ai l'impression ici qu'il est possible de mettre fin à ce conflit-là, hein. Donc, le challenge pour vous, ça va être ça, de sortir de la colère, de sortir du conflit pour pouvoir trouver des solutions, que ce soit sur le plan professionnel, relationnel ou par rapport à un projet. Là, on vous dit ici, voilà, il va falloir vraiment réussir à prendre du recul par rapport à ça pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut gérer la situation différemment. Allez, on va regarder avec l'oracle mission de vie pour vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Par rapport à votre énergie d'action et activité pour ce mois de novembre. Énergie d'action pour les cancers pour ce mois de novembre.
Hop, le dirigeant. Ah! C'est intéressant parce que cette carte-là, elle vous parle de vos propres capacités à décider, de votre autorité en fait, de votre propre autorité. Et là, on est sur le travail collectif. Le dirigeant et le collectif. J'ai l'impression ici que pour vous, par rapport à un... Alors, je sais pas si c'est par rapport à un projet ou peut-être sur le plan professionnel, vous avez des responsabilités et vous travaillez effectivement avec d'autres collaborateurs, avec d'autres personnes. Peut-être que vous êtes aussi, vous avez un poste à responsabilité où vous gérez du personnel, par exemple. Mais en tout cas, on vous dit ici que votre capacité à vous imposer et à diriger va être mise en avant hein, durant cette période-là. Mais attention quand même à ne pas être trop rigide, j'ai envie de dire, hein. Attention à ça. Peut-être qu'il y a moyen de faire passer des messages différemment, hein, par rapport à un collectif aussi. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne? Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, sur le plan énergie d'action et activité durant ce mois de novembre. On va regarder avec le tarot. Il s'agit du Guilded Tarot Royal, ici, pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Ok, la réflexion. 4 d'épée. Ici, il y a une situation compliquée, bloquée, conflictuelle peut-être, qui vous pousse à la réflexion, qui vous pousse ici à revoir peut-être certaines choses. Donc, il va falloir être dans une prise de recul. Ok, jugement. Ouais. Il y a des choses en rapport avec les vieilles habitudes hein, qu'il va falloir changer. Ok. Bon, moi ce que je ressens ici, c'est que vous avez envie de mettre des choses en place. Vous avez envie effectivement d'être dans un renouveau. Le jugement, c'est le renouveau, c'est la renaissance, c'est l'envie effectivement de changer les habitudes. 6 de coupe, on parle du passé. Hein. Les choses qui se sont passées, alors peut-être que c'est des choses qui ont été difficiles par le passé, hein, effectivement. Là, vous permettre effectivement de voir différemment. Peut-être que ça peut aussi vous permettre de vous lancer dans quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec vos propres, votre idée à vous du bonheur, votre idée à vous de l'épanouissement aussi. Peut-être d'avoir envie de faire un travail, ou en tout cas d'avoir un projet de vie ou quelque chose qui vous ressemble davantage. Le page de coupe, pour moi, me parle ici d'une nouvelle opportunité ou d'une nouvelle activité ou de quelque chose qui vous permettrait effectivement de vous épanouir. Mais pour ça, il faut accepter aussi qu'il y ait des choses qui doivent prendre fin. Pour moi, on est sur une renaissance, un renouveau. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu des difficultés au niveau professionnel. Vous avez peut-être perdu un contrat, il y a une fin de contrat, quelque chose que vous avez subi comme une injustice. Il y a eu de l'incompréhension, il y a peut-être eu, je ne sais pas, quelque chose qui a mis fin peut-être brutalement à un projet, à un contrat, à quelque chose comme ça, qui vous pousse aujourd'hui à vous reposer et à surtout vous mettre en attente, hein, parce que le 4 d'épée, il est dans l'inaction, voilà, hein, qui vous pousse à faire une pause, à réfléchir, justement, pour pouvoir voir ce que vous pouvez mettre en place. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il est question de sortir de tout ce que vous connaissez déjà. Il y a peut-être un changement. Par rapport à soit par rapport à un travail ou un domaine de compétences ou quelque chose sur que vous connaissez très bien. Mais là, il y a l'idée ici de changer ça pour se diriger vers autre chose qui vous épanouirait davantage. Hein. Il y a quelque chose, hein, parce que le valet de coupe ici, il parle d'ouverture, d'avoir envie en tout cas de vouloir prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, la carte du dirigeant, c'est votre capacité aussi à vous imposer, à prendre des décisions, ou en tout cas à exprimer quelque chose, hein. Pour moi, il y a un nouveau départ qui s'offre à vous ici, mais pour ça, il va falloir lâcher prise sur ce conflit, cette colère, ou en tout cas ce sentiment d'injustice qui fait que, bah, il y a quelque chose qui prend fin ici dans votre vie, pour pouvoir renaître sur autre chose de différent de ce que vous avez connu. Ouais. On peut parler. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut parler d'un héritage aussi, hein. Il y a peut-être aussi, grâce à cet héritage, cette transmission, des choses que vous avez pu apprendre, comprendre, avoir aussi, peut-être une somme d'argent, va vous permettre peut-être aussi de vous diriger vers un nouveau projet qui vous apporte plus de... Voilà, qui est plus en accord avec vous-même, en fait. Voilà, avec vos désirs. Ouais. D'accord. Bon.
voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a vraiment un renouveau qui se met en place, mais il va falloir réussir à lâcher prise sur ce qui a pris fin et à rester concentré sur l'avenir, sur des projets vraiment qui vous parlent, sur des choses vraiment qui sont bonnes pour vous. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour vous les cancers, ascendant cancer et lunaire cancer, ce mois de novembre pour les cancers. Ok. Adieu la routine. Bon, bah ça va bouger alors. Très bien. Ça va bouger sur le plan relationnel. Oui, effectivement, c'est confirmé. Tout bouge maintenant. Bon, effectivement, bon. Il y a des choses qui bougent sur le plan relationnel. Alors, s'il s'agit effectivement ici de fin de relation ou des conflits qui sont, voilà, peut-être résolus, hein, ça peut effectivement changer les habitudes. Adieu la routine, c'est ça, c'est un changement d'habitude aussi. Peut-être que vous allez changer vos habitudes, c'est-à-dire vous avez peut-être l'habitude de voir, je sais pas, le week-end, vos amis, et puis enfin certaines personnes, et puis la famille, et puis être toujours dans un espèce de roulement. Quelque chose de... Voilà, c'est toujours un peu pareil. Bon, là j'ai l'impression que vous allez avoir envie de changer vos habitudes. Relationnel et sentimental. La 10 de coupe, très très bien. L'as de pentacle, très très bien. Ouais, le pendu. Changement. Il y a un changement de regard, il y a un changement de... j'ai l'impression que vous allez changer votre vision des choses. Peut-être votre vision du couple aussi, ou alors votre vision de vos relations personnelles. Là, il y a quelque chose qui change. Vous allez peut-être prendre des initiatives d'ailleurs. Hein. La 10 de coupe, pour moi, me parle d'un... de votre idée du bonheur, de votre idée de la vie de famille idéale ou la vie relationnelle, hein, que ce soit au niveau amical, sentimental ou familial, quelque chose d'épanouissant. Hein. C'est votre idéal en fait. Et là, avec cet as de pentacle au centre, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau. Il y a un vent de renouveau qui souffle chez vous les cancers et vous avez vraiment, vraiment, vraiment envie de vous débarrasser de tout ce qui vous pollue un petit peu... Votre état d'esprit. Donc, s'il y a des relations avec qui c'est trop compliqué, c'est conflictuel, à chaque fois ça vous baisse le moral, ben là, vous allez décider peut-être de mettre fin à certaines relations. Vous allez peut-être décider aussi de changer de boulot, si votre boulot vous plaît plus. Vous allez être en capacité, si vous voulez, à décider. Vous allez être en capacité, si vous voulez, à faire les choses doucement mais sûrement, mais à garder votre objectif en tête et en vue, et à rester centré sur vous-même, et à ne pas vous laisser décourager par toutes les personnes qui pourraient effectivement vous déstabiliser, ou des personnes qui pourraient effectivement, je sais pas moi, vous faire baisser le moral, tout simplement. Donc là, on a ici un changement de regard, un changement de point de vue vis-à-vis de ça. Vous allez vraiment être très concentré sur votre idée de votre épanouissement à vous. Comment est-ce que vous voulez vivre, vous, ce que vous avez en tête, hein, par rapport à un nouveau projet, un nouveau départ, une envie de construire quelque chose. Peut-être une nouvelle relation aussi, c'est possible. Hein, une nouvelle relation à deux, d'ailleurs. Hein. Peut-être une conception de votre vie au quotidien que vous voulez vraiment changer. Vous voulez changer d'état d'esprit. Et ça, c'est intéressant parce que vous allez le faire par vous-même. C'est-à-dire que c'est vous qui allez changer ça. C'est-à-dire, au lieu de regarder ce qui ne fonctionne pas, ce qui est difficile à gérer ou alimenter des conflits, vous allez partir sur un autre état d'esprit. Vous allez vous concentrer sur ce qui fonctionne, aller dans le sens de ça, c'est-à-dire proposer peut-être des activités, des projets qui vont dans le sens de l'épanouissement à deux, hein, on est sur une relation ici avec quelqu'un, plutôt que de rester toujours concentré sur ce qui ne fonctionne pas. Donc il se pourrait, hein, qu'il y ait effectivement pour certains d'entre vous des réconciliations. Si vous étiez en froid avec votre partenaire ou avec quelqu'un de votre famille, hein, moi je ressens beaucoup la famille chez vous en tout cas, hein, parce que c'est vrai que le cancer, vous êtes très famille et ça peut vous affecter, hein, une dispute avec quelqu'un de la famille, en l'occurrence je crois qu'il y avait une présence féminine tout à l'heure. Voilà, pour moi on parle de réconciliation et plutôt que de se concentrer sur ce qui divise, sur les sujets fâcheux, on va se concentrer sur ce qui fonctionne, sur ce qu'on peut mettre en place pour fonctionner. Donc vous allez être vraiment dans un état d'esprit très positif, très constructif par rapport à ça. Et vraiment, vous, ce que vous voulez, c'est vraiment plus de joie, plus de bonheur dans votre quotidien. Et vous allez être en capacité de changer tout ça. Donc ça, c'est extrêmement positif. Hein, parce que ce soit sur le plan pro ou sur le plan
personnelle, sentimentale et, je dirais, relationnelle, vous allez vraiment vous concentrer sur les choses positives plutôt que sur les choses qui ne vont pas. C'est très bien. Allez, on va regarder ce que vous dit ici le tarot des anges gardiens pour vous, les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Il y a un côté persévérant chez vous aussi, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément vous laisser décourager par des personnes ici par rapport à votre idée, votre projet ou vos envies. Vous allez aller jusqu'au bout. Ok. Deux de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Voilà, donc là, on vous parle d'une situation qui a pu être bloquée depuis un certain temps. Hein. Une hésitation, ou le fait ici de... on voit bien ces deux personnages ici qui ne se comprennent plus, qui ne s'entendent plus. Et là, il y a un changement de regard par rapport à ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir être en capacité de sentir les choses, enfin surtout de pouvoir observer différemment la situation et résoudre... pour moi, ce conflit, hein, d'une manière différente. Voilà. Vous allez être en capacité de le faire, et d'ailleurs, vous allez pouvoir le faire, hein, puisqu'il y a un renouveau. En plus, on a vu avec le jugement tout à l'heure que c'est quelque chose que vous pouvez faire par vous-même, que vous allez pouvoir décider vous, et vous allez avoir cette capacité à transformer une relation autour de vous pour beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de joie, voilà, tout simplement, hein, pour être vraiment dans une réconciliation ou dans la vision que vous avez peut-être aussi du bonheur partagé et pour pouvoir changer ce qui ne fonctionne plus pour quelque chose de plus lumineux. Si vous êtes célibataire, par exemple, voilà, vous allez prendre le on va dire la situation différemment. Voilà, vous concentrez sur ce qui est positif ici. Surtout sur votre vision de la vie à deux et votre vision de votre bonheur à vous, quoi. Voilà. C'est quelque chose de... Voilà. C'est une façon différente d'aborder finalement votre bonheur. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, en tout cas, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.